Chanter les cantiques nouveaux au Seigneur. Les cantiques nouveaux. Ça, c'est important de chanter les cantiques nouveaux au Seigneur. Amen. I will learn.
honoré de Jésus. Il est tellement merveilleux. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il a la raison de notre vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Nous avons plus de méchants autour de nous. C'est le seul qui nous protège. Amen. Il est tellement l'ami fidèle. Jésus est l'ami fidèle. Il y a quelqu'un, il est tellement merveilleux. Il est merveilleux, il est l'ami fidèle. Thank you.
asseoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sens pas votre amen. Amen. Et je suis d'accord, ainsi soit-il. Amen. Amen. Vous êtes un ministère de délivrance. Ici, nous délivrons des gens. Et nous avons une spécialité, la destruction des œuvres de la sorcellerie. Ça nous a toujours donné raison. Vous savez, quand on ne combat pas un fléau, le fléau fait son chemin et le fléau dissime tout, détruit tout. Amen. C'est vrai que les gens peuvent même peut-être dire la sorcellerie peut pas être objet de science, mais nous sommes en train de pousser nos recherches, nous allons démontrer ça. C'est vrai que c'est spirituel, mais ils sont tous conscients que le monde spirituel existe. Amen. Ils sont conscients. Demandez à un scientifique, demandez à un médecin. C'est les scientifiques qui disent l'être humain est composé d'une âme, d'un esprit et d'un corps. N'est-ce pas? La science qui nous dit tout ça. Nous sommes tous allés à l'école. Et demandez à un médecin où se trouve l'âme, où se trouve l'esprit. Il serait incapable de vous démontrer ça. Amen. Demandez à un scientifique où se trouve l'âme, où se trouve un esprit. Il sera incapable de vous démontrer où se trouve l'âme ou l'esprit. Or, ils savent, ils sont convaincus que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Et ils sont tous convaincus, à part les athées, ils sont tous convaincus qu'il y a un monde qui existe, qu'on appelle le monde spirituel. C'est un monde invisible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, mais c'est une réalité, elle existe, ce monde-là. Amen. Or, le monde que nous voyons visible dépend du monde invisible. C'est pour ça que quand vous comprenez la parole de Jésus qui dit, tout ce que vous liez ici est lié dans les cieux. C'est-à-dire, ce que tu fais ici a un impact sur le ciel, que le monde invisible, que le monde spirituel. Amen. Vous savez que Jésus a dit, après sa résurrection, Jésus a déclaré cette parole, votre parole, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous envoie, tout pouvoir m'a été donné. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous avons cru en Jésus, nous avons le pouvoir du ciel et nous avons le pouvoir de la terre. C'est tellement merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour ça? C'est tellement merveilleux. C'est ça qu'en tant que croyants, nous ne devons pas craindre. Amen. Nous ne devons pas craindre. J'ai toujours expliqué, je vous ai dit ce matin, c'est avec beaucoup de pleurs. Et j'étais l'homme de Dieu seul ici en Côte d'Ivoire qui a fait un débat télé sur la sorcellerie. Ah oui. J'étais le seul. Demandez dans les archives de la télé. J'étais le seul. Quand j'ai commencé les débats, ils ont commencé à renvoyer des gens. Ils ont renvoyé Ben Zawi sur TV2. Ils l'ont chassé. Ils n'étaient plus après notre émission de 1h30 minutes sur la 2 pour parler de la sorcellerie. J'ai dit, c'est important de sensibiliser les gens, de leur éclairer qu'il y a quelque chose qui est autour de or. La stratégie du diable, c'est de vous faire croire que ça n'existe pas. Ah oui, vous croyez que ça n'existe pas. Et puis, vous mangez. Or, les blancs, vous pensez qu'ils ne croient pas que ça existe. Ils savent que dans leur histoire, il existait la sorcellerie. Allez-y, pour les ceux qui font des recherches, je vous ramène sur Google. Allez-y sur Internet, vous cliquez la chasse aux sorciers, vous allez tomber sur les blancs. Qui ont plus de 3 siècles, 300 ans, pour détruire la sorcellerie chez eux. Ils prenaient les sorciers, on les brûlait au bûcher. À partir du 13e, 14e siècle, les gens commençaient à installer des industries en Europe, et ça tombait en faillite. Ils constataient qu'on voyait des corps sans vie, parce que j'ai poursuivi les recherches. Je reviens tout récemment de la France, je suis allé à Rouen, voir, j'ai là même les images, la vidéo de où Jean Dac a été brûlé, où il a eu son procès et tout ça à Rouen. Et je suis revenu sur Paris, on m'a donné le contact de certaines personnes que j'ai rencontrées pour échanger avec eux. Ils ont leur histoire. Ils savent que ce qui a marché en Europe, c'est la chasse aux sorcières. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus qu'il y avait une autre force négative qui venait de détruire leur activité. Donc ils ont compris qu'il y avait un problème. Ils installent les industries, ils sont intelligents, ils ont commencé à mettre tout en place. Paf, en faillite. Paf, ça tombe en faillite. Ils ont dit, ok, on va commencer à vous traquer. Or, dans la recherche, ils ont compris que c'est la sorcellerie. Donc on prenait les sorciers, on les brûlait. Et comment les arracher, les avions sorciers? On mettait, vous connaissez beaucoup de sorciers, c'est des grands menteurs. Ils mentent tellement qu'on met le feu, un fer. Dans le feu, ça devient rouge chaud. Tu étais sorcier? Non.
façon, tu es convaincu que ce qu'on a trouvé chez toi, la grande de sorcellerie. Les livres de magie, maintenant tu parles. J'ai mangé, c'est vrai, j'ai fait sorcellerie. J'ai mangé avec telle personne. On prend toute la confrérie. Et puis devant tout le monde, je pense qu'ils ont brûlé Jean d'Arc. Elle n'était pas sorcière parce qu'elle faisait des visions. Je pense qu'ils l'ont traqué, ils l'ont brûlé. Donc c'est comme ça, les Blancs, à partir du 15e siècle, ils ont commencé à pratiquer la chasse aux sorcières. Ils ont lancé ce mouvement dans toute l'Europe. On prenait dans chaque maison, dans chaque famille, tous les sorciers, on les brûlait au bûcher. Ça dit quoi? Devant tout le monde, vous dites, c'est qu'elle en train de... C'est quelle affaire pour laquelle on la brûle là? Personne ne doit pratiquer ça. Celui qui pratique, on doit le tuer. Or, il y avait encore plus grave que le bûcher. Il y a tué par écartement. J'explique. Ça dit, on met des chevaux. On met un cheval là, on met un bras là-dessus. Et l'autre, le bras, le pied. Et puis, on frappe. Les quatre chevaux. Et puis, ils s'en vont. Donc, on est tué par écartement. Donc, le gars se déchiquette le sorcier. Vous voyez comment les bancs étaient barbares pour combattre la sorcellerie. J'ai bientôt fait sortir mon livre. Vous aurez l'occasion de lire comment eux, ils étaient tellement barbares. Attaquer la sorcellerie physiquement, pas spirituellement. Ils ont constaté que la prière, là, mais ça ne marchait pas. Et cela avait fallu régler leur compte. Mais c'est bête la sorcellerie. Franchement, c'est bête. Et il faut qu'on en parle. Non, il faut qu'on en parle. Le sujet est tellement important, sérieux. Il faut qu'on en parle. Je suis choqué quand je vois des hommes de Dieu qui n'en parlent pas. Qui ne parlent même pas de ça. On parle d'autres choses et le sujet ne nous dit rien. Nous étions au Maroc. Nous sommes allés faire des séminaires au Maroc pour préparer la diaspora. Parce que nous, c'est ça. Nous préparons le retour. Moi, j'aime tellement l'Afrique. Amen. Amen. J'aime mon Garba, mon Tigriti, Esso Grey, Rue Locale. Je n'ai pas fait la pizza. Ça me fatigue souvent. Je ne mange pas. Ça m'en fout des pizzas. On a les bonnes choses ici. Amen. J'ai grandi dedans. Amen. Amen. On va au Maroc. Et puis, on met le thème sorcellerie. Et comment être délivré de la sorcellerie? On va faire un problème du pasteur. Il a perdu sa carte magnétique. Les enfants commencent à tomber malades. Il a commencé à avoir peur. Il dit non, vraiment, depuis qu'il a vu le thème là, il a attaqué. On dit mais c'est normal. Parce que tu le déranges. Et nous on est dedans chaque jour là. On va comment? Mais si tu ne parles pas de ça, tu es fidèle à la vie, quelle situation? C'est ce que Dieu dit, mais vous fidèle à la vie, quelle situation? Vous ne voulez pas parler de ça. Ils vont aller au ciel, mais ils vivent quelle situation? Écoutez-les. Il a peur. Alors qu'il a changé le thème. Alors quand même, mais sorcellerie, là, il a attaqué. J'ai dit, mais vas-y, tu dois mettre, n'est pas prêt d'être pasteur. Ah, tu n'es pas prêt d'être pasteur. On dit, le Fils de Dieu est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Nos combats, c'est contre le diable. Quand vous voulez ou pas, c'est contre lui, nos combats. Amen. Quand vous voulez pas, c'est contre le diable. Et on me dit non, si tu viens ici, il ne faut pas enseigner, il ne faut pas délivrer. J'ai oublié de suspendre le programme et puis on allait ailleurs. On est rentré. Je vous dis, c'est tellement sérieux. Et quand je ne vois pas des gens parler de ça, j'ai mal au cœur. Plus on ne parle pas de ça, les gens tuent. C'est ça la tuerie. On les appelle les mangeurs d'âmes. C'est en français. Demandez, on les appelle les mangeurs d'âmes. Ils s'alimentent avec l'âme des gens, des innocents, qui n'ont rien à voir avec leur connerie. Les gens veulent les voler pour les tuer. Elle est la vieille. Elle est dans cette elle allait à Londres. Elle a vu. Elle arrive là, elle s'est transformée en dépervier. Et puis elle prend le cerveau de sa petite fille. Pourquoi? Elle l'a enterré. Mais c'est pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Ça lui plaît. Là de la nuisance. On veut nuire. On veut détruire. Et vous ne voulez pas qu'on parle du sujet très important. Ah non, ça divise. Bon, diviser puis manger. Sorcier mange. On ne parle pas de ça, il mange. Vous choisissez quoi? Amen. Le sujet est tellement important, il faut qu'on en parle. C'est ça que je n'ai pas peur. J'ai dit, celui qui combat le prophète Crasso, c'est que lui-même est sorcier. Non, de Jésus. Parce que la définition veut dire lanceur de sort. Un sorcier, c'est celui qui lance. C'est ce que les gens posaient la question. Qu'est-ce que la sorcellerie? C'est celui qui lance un sort qui est sorcier. C'est celui qui détruit, pas celui qui les combat. C'est différent. C'est pour ça que Jésus, on l'a traité de Belzébuth, on l'a traité de Satan. Il dit non, Satan ne peut pas combattre Satan. Si Satan combat Satan, c'est que lui-même il est détruit. C'est que lui-même il est divisé. Il ne peut pas venir mettre une stratégie en place et puis lui-même venir détruire cette stratégie. C'est pas normal. Amen. Amen. Oui. Or, la stratégie de Satan,
c'est de l'ignorer. Vous ignorez ça. Ou il y a d'autres même qui pas dit non, c'est, on ne doit pas trop d'importance à ça. Oh, c'est plus important que tout. Blocage, contre eux. Blocage de mariage, blocage de temps, ils sont à la base de tout ça. Vous savez, quand tu n'as jamais été victime de sorcellerie, pour d'autres, ça ne leur dit rien. Moi, j'étais gravement victime de la sorcellerie. Je vous disais ce matin, j'ai grandi dans la douleur. Moi, j'ai été élevé. Dieu est sur mon consolateur. J'ai grandi dans la douleur. Ma mère est morte. J'ai vu moi, mon propre père mourir sous mes yeux. Je l'ai vu. En train d'agoniser. Les sorciers m'ont tué. Mon frère est mort, ma soeur. J'ai grandi en train de pleurer. Il n'y a que Jésus seul qui me console. Quand je me suis donné, je me suis converti. Sur le petit bizarre, derrière. Il y a des gens, quand vous donnez à Jésus, vous parlez de Jésus, il ne fait pas croire à ça. Ils l'ont pris, ils l'ont mangé. Il a fait une tension de 20, quoi, c'est quoi, 28 comme ça. Une tension. Quand on a commencé à traiter la tension, en même temps, il a eu l'incision rénale sur le lit d'hôpital. C'est fini, il est mort. Oh, il parle. Il a dit, tu ne veux pas te donner à Jésus. Il l'a pris. C'est là que les gens ont commencé à prendre conscience. C'est là que j'ai compris que Dieu les protège. Je suis un témoignage vivant la gloire de Dieu. Oui, la sorcellerie a décimé ma famille. C'est pas de l'amusement. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Ça a décimé ma famille. J'ai perdu mon père, j'ai perdu tout le monde. Je suis le rescapé. J'ai grandi dans la douleur en train de voir. Je n'ai plus rien contre ça. Je regarde. Mais je ne pouvais rien contre ça. Et je ne savais pas que Jésus était la solution. C'est maintenant. Amen. C'est ça que j'écris au fond. Je veux toujours dire aux gens qu'il y a une solution à ça. Écoutez les gens vivent ça dans leur famille. Personne n'en parle. C'est depuis qu'on a commencé à parler ça sur les réseaux, l'internet. Heureusement aujourd'hui que les gens commencent à comprendre qu'on peut avoir la victoire sur ça. On peut. Oh, les gens disent non, quand t'es sorcier, bon, en fait, on dit bon, venez me manger. Vous m'avez attaqué, je sais que vous ne m'avez pas. Oh, on a commencé à communiquer là-dessus pour dire la seule personne qui veut vous protéger contre ça, c'est la personne de Jésus. C'est un évangile que nous prêchons proprement. Pourquoi? Parce que je suis moi-même un témoignage. Il m'a protégé. C'est ça, dit quand tu ne connais pas l'histoire de quelqu'un, il faut fermer ta bouche, tu te tais et puis tu le regardes. Chacun a son histoire. Vous allez voir sur mes papiers, maman s'appelle Kita Mariam. Elle est peu malienne. Je suis né dans l'islam. Voilà. Je me suis converti parce que j'ai vu la main de Jésus. C'est tout. Oui. Ils m'ont dit Jésus fait un miracle. Je dis, ok, je vais le voir. Moi, je ne suis pas là pour venir à l'église, m'asseoir, chanter ensemble, louons les Seigneurs. Non. Je n'étais pas là pour ça. C'est quand Jésus a fait le miracle, j'ai fini par croire en lui. Je suis un fou, passionné de Jésus. Je vais toujours parler de Jésus pour dire aux gens, acceptez Jésus. Si vous l'acceptez, Jésus est vivant. Je l'ai vu plusieurs fois. Je l'ai vu comme chanter de vous voir. Ce n'est pas de la plaisanter. J'ai chanté de plaisanter avec vous. C'est ça que ma foi est grande. J'ai vu Jésus comme je suis en train de te voir. J'ai vu Jésus, je crois Jésus. J'ai une intimité avec Jésus. Amen. Il est tellement merveilleux. Une intimité avec Jésus. C'est pour ça que moi, je ne cesserai pas de combattre la sorcellerie. Parce qu'ils sont représentés partout. Ils sont dans chaque famille. Or, quand ils vont s'asseoir dans leur confrérie, il ne faut que parler de vous qui devez prospérer dans la famille. C'est bête. Vous qui devez prospérer, là, c'est de vous qu'on parle. Les gnani gnani, là, ils n'ont pas l'air. Eux, ils ont déjà gâté ça. Voilà. Maintenant, toi qui es ton étoile pris un peu, là, on vient éteindre ça. Il était dans le noir. Et déjà, quand il marche, il sait qu'il est dans le noir. En pleine journée, il croit un caillou plusieurs fois. Il sait que lui, là, il est dans le noir. Il y a beaucoup de sur lui, caca des sorciers. Il marche, façon. Il sait que lui là, il y a caca, diarrhée, des sorciers sur lui. Lui, parce que l'étoile, vous savez, il y a quelque chose que Dieu met en l'homme, qui l'active vers la gloire. Amen. C'est ce qu'on appelle symboliquement l'étoile. L'aura de l'homme. C'est ça qu'on vient de noircir. Une fois on a noirci, ça c'est fini. On te voit, mais on n'a pas envie de t'aider. Ouais.
Il peut, mais il, ce qu'ils ont fait sur toi là, ça ne dépend pas de lui. C'est ce qu'ils ont fait sur toi là qui fait qu'il ne peut pas enlever son argent. Ah oui. Ils ont cette capacité de détruire votre fécondité. Ouais. Ils ont ce pouvoir là. De prendre ça pour aller manger. On a vu à Paris, un monsieur a pris les trompes de sa femme, il allait manger sauce jumblé et un placal. Je lui dis, mais tu es à Paris, c'est vrai ce que tu fais. Les gens courent pour chercher visa à l'ambassade, pour venir Jossi, avoir bon argent, pour venir travailler. Toi, tu manges, tu es là pour sorcellerie. Bon, il n'a pas été délivré. Donc, il est parti à Paris. C'est ça, c'est une question d'être délivré. C'est ça, il dit. Vous savez, c'est ce qu'il dit aux gens. Quand vous marchez avec une personne, cherchez à connaître la personne. C'est tout. Si vous ne maîtrisez pas la personne avec qui vous dormez dans le même lit, vous allez vous retrouver dans une sauce mamie, dans une sauce tomate, avec un agodiama à côté, en train de vous manger. Pendant que toi tu penses chez ton chéri, lui te voit en abouti. Ou bien un pétard qui doit manger, pas une sauce pimentée que de nous. Rapide. Tu te lèves matin, tout ton corps te fait mal. Le gars qui a mangé tous tes morceaux. Et pour dire, ah, elle a cancer des temps. Ah, il a cancer des temps, il a telle maladie. Ils sont spécialisés dedans. Les maladies, là, ils ont ça chez eux. Oui. Vous n'êtes pas qu'on voit les traces, ils vous donnent maladie. Et pour mourir, ils vont dire, ah non, c'est qu'un sorcier, le gars est mort ici. Ils sont honteux. Ils peuvent faire ça. Ils peuvent bloquer vos voyages. J'ai assisté à une scène à Grand Laou. Une scène. Le monsieur venu dire, il a bloqué le voyage de mon frère, mon fils. J'ai dit, ah non, c'est pas moi. Il dit, non, il a mis ça dans ton. Il dit vrai, vrai, il dit oui. Il a mis son passeport. Je suis allé. On a cassé le tombe. J'étais obligé de faire ça. Et puis on a vu un passeport neuf sur un corps, l'esquelette. Et puis il a pris, on a envoyé. Nous on a vu trop de choses. Il y a des choses sur mon site YouTube. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Mais ça vous effraie. Il y a des choses que je ne peux pas montrer. Et j'ai pris le passeport neuf. C'est sorti directement la sécurité propre. Et on était en plein programme, j'ai appelé son neveu, j'ai dit viens. Il y a eu deux refus de visa, il dit oui, il dit bien, il faut venir au village. Il est venu, il est content, le prophète l'a appelé. Ok. Maintenant, je l'ai fait confrontation avec son oncle. J'ai dit, donne-moi ton passeport. Il me donne, je regarde, je vois même chose, identique. L'autre là, c'est Nyeni Nyeni. Vrai, vrai, la sorcière, ça. Vous voyez comment il joue à nous. Lui, il a l'original. Et toi, tu as, qu'on avait photocopie. Tu as envoyé ça à l'ambassade, quel consul qui va réaliser ça? Le fils de visage. Quelque chose qui est dans ton. Qui va voir ça? Ok. Donc je lui dis, tiens. Quand je lui ai donné le passeport, il a regardé la ticket. Prompt. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ah, il faut demander à ton oncle. Il va t'expliquer. L'oncle explique, il ne comprend pas. Il dit, comment c'est fait que mon passeport est toi? L'oncle est rentré, il dit, ok, je suis allé dans ta chambre, j'ai pris. Il fait la démonstration qu'il ne voit pas. Il dit, bon ok, tu avais 5 millions un jour dans ton placard, parce qu'il travaille au ministère de l'économie, de finances, et tout comme ça. Puis il fait d'autres affaires, qu'il lui rapporte de l'argent. Et que j'ai pris 500 000 francs dans les 5 millions. Il a compté l'histoire, puis il dit, hey, tu as amené ton fils à la police, ils ont frappé, il dit, c'est pas lui, tout ça. Là. C'est là, il a dit, ah, il dit, c'est moi. Et t'as oublié de séparer par là. Le fils est tombé sur l'oncle en train de le frapper. Je dois me séparer par là. Je suis devenu un gars. Non, ne frappe pas. Je le blesse, je le blesse. Ne le blesse pas. Il dit, toi, c'est pas toi, il a envoyé 50 000 francs. Pour ça, il dit, ton village, tu perds quoi? 50 000. Vous comprenez? 50 000. Plus ça, il dit, oui, mais c'est sorcellerie. Bah, le gars, là, je suis obligé de se me mettre au pied. Vous ne pas voir la mâchoire du gars à terre. Il est quoi, sorcellerie? Je ne m'occupe pas de toi, oui, mais c'est comme ça. C'est ceux qui font bien la même. Quand on mange. Toi qui es bizarre, là, ta chair, c'est la viande de l'éléphant. C'est Dieu. Quelle sorcellerie qui a mangé ça? Quand il dit, là, il doit faire 2-3 semaines en train de préparer ta chair, il te laisse. Mais toi qui vas l'aider, tu as une souffrance. Eh, tu souffres trop. C'est toi, là.
On trouve que ta chair est bien dans marmite. Copain, sauce copain. Là, c'est rapide. C'est bien. Pourquoi nous combattons la sorcellerie? Parce que les gens qui doivent développer la région, ils doivent. Quand vous commencez à développer, ils vont t'attaquer. Tous ceux qui ont développé nos régions, qui ont essayé d'envoyer de l'électricité, de l'eau, vont être toujours victimes de la sorcellerie. C'est pour ça qu'on les appelle anti-développement. Quelque chose qui doit être développé bien pour tout le monde, et j'aime pas ça. Donc, vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On a accepté. Nous, les gens vont mourir. Et vous êtes contents. C'est que vous êtes les agents du diable. Vous ne parlez pas de la sorcellerie, mais eux, ils travaillent. Toutes les nuits, ils sont en train de travailler. Ils réfléchissent, ils bloquent les régions. C'est pour ça qu'il faut que les gens des différentes régions travaillent avec les hommes de Dieu. Amen. Amen. Oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la chose spirituelle. Moi, quand je suis rentré à Divo, j'étais 5 nuits. Je suis en train de tourner, en train de prier pour Divo. Parce que je connais Divo. On dit, il y a bitume. Ils sont en train d'électrifier. Parce qu'on a prisé beaucoup de choses spirituelles ici à Divo. Pour que le développement entre. Amen. Amen. Donc la sorcellerie, c'est pas de l'amusement. Quand ils sont dans votre famille, ils vont siéger, ils vont parler de ton projet. Ils connaissent tout, ils savent tout. Ils savent. Tu penses que ce que tu as dit à l'oreille, à ton mari, ne dis pas à quelqu'un. Il a déjà enregistré ça. Il a enregistré. Comme il n'y a pas Jésus dans ta chambre, tu pries même pas avant de dormir. Mais c'est bête. Elle est libre. Et il ronfle en plus. Tu l'entends dormir en l'air fanfare. Ou bien orchestre de Attila. Lui orchestra. Ben 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 ben. Et déjà quand il ronfle, t'as vu les déménagers du quartier, le voisin. Il est terrible en ronflement. Mais sorcier va te manger. Vous ne priez pas. Or l'âme du chrétien, c'est la prière. Amen. C'est la prière. Et on ne veut pas être dans le Seigneur. Les gens veulent qu'on prie pour eux, mais ils ne veulent pas marcher Dieu. Vous voyez ce que c'est bien? Ils veulent qu'on prie pour eux. Ils chantent à qui, ils chantent à qui. Mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu demande. C'est ce que je vous disais ce matin. Si vous marchez dans la justice, la vérité, le pouvoir de Dieu sera dans votre camp. Oui. Amen. Amen. C'est pour ça que quand tu es dans une affaire, il faut être juste dedans. Il faut être juste. Tu es juste, tu as la main de Dieu sur toi. Est-ce qu'on m'a bien servi? On m'a bien saisi? Amen. C'est tout. Tu es dans la justice. Lui, il est le Dieu de justice. Quand il va venir trancher, c'est toi là dans la vérité. Amen. Oh, il y a des gens qui ne veulent pas. Il vient dans le faux. Qui ne veut pas te bénir dans le faux, ce n'est pas possible. Amen. Amen. C'est pas possible. Il ne peut pas te bénir dans du faux. Tu voles l'argent des gens, tu vas aller faire société, ça, ou faire commerce. Et puis tu veux que Dieu bénisse. Dieu est malade ou bien? On dit un bien mal à qui ne profite pas. Non, j'allais donner 10 au prophète. Dieu a donné. Ça n'a jamais marché. Quand le prophète crasse, va bouffer, bon Dieu, on bénit. Ou bien Dieu est malade. Si il encourage ça, tu as toujours voulu. Il faut qu'il ferme la porte pour comprendre ce que tu viens de faire avec mauvais et puis que tu puisses changer pour qu'il puisse te bénir. Amen. Amen. On m'a bien saisi? Amen. Hein? Amen. Quand tu as commencé à pratiquer la justice, tu auras la main de Dieu sur ta vie. C'est pour ça que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe au-dessus de tous ceux qui le craignent. Hein? Et les arrache du danger. Amen. Ce n'est pas ceux qui font des conneries, hein. Ceux qui craignent Dieu. Les arrachent du danger. Si tu n'as pas arraché du danger, c'est que tu n'as jamais craint Dieu. Amen. Ce n'est pas de la magie, ni du fétichisme. C'est des lois spirituelles. Si tu marches selon lui, il te protège. C'est tout. Si tu veux, il faut aller venir boire barrique d'une autre ville là. Boire barrique de ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez voir la main de Dieu sur votre vie. Vous voulez voir la main de Dieu se manifester. C'est la seule chose que Dieu demande, c'est la justice.
C'est tout. Amen. Dieu protège toujours. Il est dans la vie de ceux qui le craignent, ceux qui ont décidé de marcher avec lui. Ou marcher avec lui, continuera de vous bénir. Les sorciers, vous voyez là, c'est des plaisantins. Amen. Amen. Quel sorcier n'a pas envoyé ici, mes dieux? Qui? Ils ont fait tout zéro. J'ai vu les plus grands sorciers de la planète de Côte d'Ivoire. Je les ai affrontés. Ouais. On me met dans une maison, les gens sont convaincus que cette maison, pour ceux qui rentrent dedans, là, ils meurent après. C'est hanté. Parce qu'ils ont quelqu'un dormi là-bas, trois jours après, on découvre un cadavre. Voilà, donc la maison là, c'est hanté. Tout ce qu'on met là-bas, là, ils ont des cauchemars quand ils vont, ils meurent. Et moi, je m'en vais dans un village qu'on appelle Zabalébé. Et j'ai vu la Côte d'Ivoire. Ah! Tu es dans pirogue. Jusqu'à. Voici la mer, voici la lagune. Et puis les villages au milieu. Après, on me loge. Maintenant, chaque matin, on dit, mais ça va là. Chacun vient me dire, ça va. Tu n'as rien vu. Il dit non. Il ne comprenait pas. Tu as trois jours, je dis non. Tu sais, viens. Tu vas commencer à me conter l'histoire. Avant la croisade, avant de commencer ma croisade, ils m'ont testé d'abord. Je n'ai rien vu dans le truc. Il dit, vrai, il y a quoi? Que ici, là, tu ne peux pas dormir sans te faire cauchemar. J'ai dit, moi, je dors très bien. Voilà. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un fils du royaume. Amen. Là où je loge, c'est toute l'armée céleste qui veut siéger. Qui veut protéger. C'est l'histoire des cauchemars. Ils savent. Je suis un fils du royaume. Les démons, ils savent qui je suis. Ils savent qui est qui. Ils savent. Qui est avant le Dieu qui n'est pas. Ils savent. Amen. Amen. Je suis un point. Puis j'ai commencé ma croisade. Ils ont fini par prendre ma parole. Vous savez, c'est ce qu'il dit aux gens. Si ton témoignage n'est pas vivant, les gens ne pourront jamais t'écouter. Ils ne vont jamais t'écouter. Les gens qui sont à la recherche des témoignages, ton témoignage, c'est puissant. Les gens t'écoutent. Amen. Amen. Les plus dangereux sont les sorciers. Vous le savez très bien. Et je vois, quand tu as affaire à eux, ils t'attaquent. Donc ça, c'est immédiatement, ils t'attaquent. C'est ça qui a fait des sorcelleries, de jouer pas ça. Quand vous allez ça, régler ça proprement, quand est propre, quand vous jouez ça, ça vous détruit. Je vous disais, il a fait des sorcelleries là. On ne protège pas maman, on ne protège pas papa. Parce que quand vous deux partez dormir, là, chacun sait où ça va. Toi, tu dors, tu es dans le lit. L'autre voyage va aller à Londres. Ah, ta vie est partie à Londres. Tu connais Londres? Il dit oui, il connaît Londres. Oh, les gens, on les a refusés, ils ont plein. La femme est convaincue, c'est voir l'ambassade, on dit, madame, là, qui devant nous, ne donne pas de visa. Mais elle-même prend une jet, elle se balade à Londres, et tout ce qui l'intéresse, c'est le cerveau qu'elle prend, que la petite fille. Allez, mon jeune mort. C'est trop bête. On cherche, aller à Londres, pour chercher leur argent, venir investir en Afrique. Toi, c'est aller prendre cerveau qui t'intéresse. Et ils savent. Ils savent, elle est convaincue que la petite fille là est une étoile. Ils savent que mon bébé qui vient de naître là, il est important. Amen. Oui. C'est ça qui fait consacrer mon bébé. Dès que vous avez un enfant, consacrez-le à Dieu. Amen. Ne vous lavez pas vos eaux bizarres. Les nasigis. Je ne connais pas. Moi, j'étais un grand vieux de Nazidi. Ça ne m'a pas protégé. Oui, ça ne protège pas. Mon papa était un grand vieux de Nazidi. Ils l'ont mangé bien, ils l'ont braisé. Avec appétit, ils l'ont bien mangé. La seule chose qui peut vous protéger, c'est Jésus. Amen. C'est tout. Ça ne se discute pas. Amen. Je dis avec les Jésus-Christ, ce n'est pas une question de religion, c'est une vie. Ça, c'est une vie. Je n'ai pas rien à vie. Ça c'est vie, que ta vie là déjà regarde. Or quand tu as Jésus, il te positionne. Il montre aux gens que tu as eu raison de le suivre. C'est pas de l'amusement. Il va démontrer aux yeux de tout le monde que toi, tu as eu raison de le suivre. Amen. Lui seul peut vous protéger. Vous venez ici là, c'est Jésus.
Si vous n'avez pas Jésus, mais c'est fini, la catastrophe. Ne venez pas parce que vous êtes attaqué. Il dit non, comme j'ai attaqué. La nuit ne tombe pas. Il ne tombe pas la nuit. Il ne tombe pas. Il se lève 5 fois dans la nuit. Bon, vers celui-là, celui-là, il est content, il va dormir. Après ça, il va dans les coloris. Mais c'est bon, il est venu. Quand vous brisez cette protection-là, ce mur-là, le sorcier est arrivé. Je ne peux pas lui dire, où tu es dedans, tu n'es pas dedans. Appelle les dieux là, tu es dedans, où tu n'es pas dedans. Ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la peu près. Où tu marches avec lui. Où tu ne marches pas avec lui. Oh, les gens ont besoin d'un miracle de Dieu, ils veulent que Jésus les délivre. Bon, le reste, ça ne les intéresse plus. Mais tu auras un problème derrière lui. Amen. Pourquoi n'a pas voir Jésus? Pour qu'il puisse te bénir. Toi, non seulement ça te bénit, mais bénir toute ta descendance. C'est ça qui est important. Ayons Dieu dans nos vies. C'est ce qui cause le retard, ce grand retard. Les sorciers viennent nous détruire parce qu'ils ne voient pas, quelqu'un en train de l'inquiéter. La puissance de Dieu, d'inquiéter dans nos vies. Tu as un talent, mais tu es en retard. En te regardant, c'est dit non, lui, là, franchement, il n'est pas à ce stade-là. Mais tu es en retard parce que tu n'as jamais mis Dieu la première place de ta vie. Vous savez, quand tu considères Dieu, Dieu te considère. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Tu honores Dieu, il va t'honorer. Amen. C'est comme ça. Si tu le respectes, il va commencer à te prendre au sérieux. Amen. Qui est prêt à marcher à Jésus? Bref, là. C'est pas lever main. Marcher avec Jésus, là, c'est pas facile d'être. Hein? Marie de Suzanne qui te donnait 50 000 francs fin du mois là. C'est de le laisser, hein? Ouais, tu as volé femme, mari de quelqu'un. Hein? C'est comme ça. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Il faut chercher à savoir, quand tu es dans une affaire, est-ce que c'est le plan de Dieu? Il faut toujours chercher la volonté de Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Est-ce qu'il fait sa plaire à Dieu? On ne vit plus pour nous-mêmes, nous vivons pour la cause de Jésus. Est-ce que vous m'avez saisi? Non, on ne vit plus pour nous. Pour la cause de Christ. Donc on pose un acte. Est-ce que Dieu est dans ce qu'on est en train de faire? Sinon, on se sépare. N'est-ce pas? Est-ce que m'avez saisi? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. 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 Et les gens sont des religieux. Tout ce qui est affaire de Dieu, là, c'est qu'ils ont des problèmes qui courent après Dieu. Écoute, quand Dieu les guérit, tu les vois, ils sont quelque part. Or, le christianisme n'a rien à voir avec la religion, c'est une vie. C'est ton comportement de chaque jour. Voilà. Quand vous lisez le Deutéronome, vous comprenez un peu dans le chapitre 28, il dit, celui qui marche selon sa parole, ses ennemis deviendront ses ennemis. Quand vous marchez selon la parole de Dieu, Dieu tes ennemis deviennent toi tes ennemis. Et puis Dieu t'ouvre les portes. Qui bénit? C'est Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne fait souvi d'aucun chacun. Pourquoi ne pas appartenir à ce Dieu? Et puis être béni, et puis ses enfants être bénis. Parce qu'on ne veut pas, on hérite toujours de quelque chose. On peut hériter d'une malédiction. Tu es maudit, tu as engendré des enfants maudits. Tu es béni, c'est une continuité dans la famille. C'est clair. Donc ce que tu fais là, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour toute ta descendance. Oui. Il verra de toi un témoignage. Le diable a eu accès à ta vie parce qu'il n'y a rien qui l'a inquiété dans ta vie. Rien. 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 Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Toutes les alliances que nous avons faites dans le passé, le fait même d'aller prendre un mouton, aller le donner en sacrifice, c'est une alliance satanique, démoniaque. On dit d'aller faire sacrifice un poulet, ou même d'aller mettre Nyomi au carrefour. Tout ça, c'est des alliances. Vous tissez avec le diable. Et vous réclamez ça. Un jour. Et tout ça, ça cumule. Et qui fait qu'il y a une présence démoniaque. Quand vous dormez, ou même vous avez l'impression, tu es en France, mais tu as l'impression de te retrouver en Afrique. C'est dangereux. Tu dors, mais ton esprit est toujours au village. Ça veut dire que tu es en retard. Ça veut dire que ton esprit est attaché à l'Afrique.
qu'on a bien saisi. Comment tu dors, puis une personne vient abuser de toi. Tu as l'impression qu'il t'a fait l'amour. Mais c'est une réalité spirituelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui t'a épousé, qui n'a pas, qui ne te demande même pas ta permission, qui abuse de toi. En cas c'est comme ça, ça veut dire que déjà, ton mariage est déjà atteint. Ils sont très dangereux, ils sont très jaloux. Les esprits là sont très jaloux. Or, quand vous voyez cette histoire de mari, on ne dit pas mari de nuit, on dit mari esprit. Ça veut dire, il y a un démon là dans ta vie. C'est un sorcier. Mais, ils sont là. Hein? Mais quand tu n'as pas Jésus, il peut rentrer dans ta chambre et abuser de toi. J'ai déjà vu plusieurs fois ça. Dans un village qu'on appelle Zébéboué. Le monsieur, tu le vois. On dirait, mais quand Dieu créait beauté, là, il est allé se balader. Il est venu devenir après où Dieu dit, bon, il est fatigué. Tiens, c'est comme ça son visage est. C'est pas un jeu. Hein. Ça existe en français, vilain, plus joli. N'est-ce pas? Donc j'exploite les deux mots. Ok, je suis pas en train d'insulter quelqu'un. J'exploite. Joli, ça existe en français. Et puis vilain, ça existe. Tu le regardes, tu dis de lui là, Dieu, au moment où Dieu criait joli là. Lui, il est allé se balader. Vous avez compris, non? Voilà. Donc lui, il peut pas aller draguer. S'il drague, quand il dit tu es vilain, il va se retourner. Mais lui, il est expert en charme noir spirituel. La nuit, il vient dans ta chambre. Ça, il connaît ça. Il ne sait pas te draguer, mais la nuit, le fait de passer près de toi et de te regarder deux fois dans les yeux, comme lui, il est vilain, tu as mis tes yeux, non? Lui, t'a déjà pris la photo. Son esprit t'a déjà vu. Donc la nuit, il abuse de toi. On est en pleine croisade dans un village qu'on appelle Zébéboué. Il y a eu 36 sorciers devant nous. Quand c'est comme ça, chacun dit ce qu'il a fait. Oui, on peut faire un mois dans ça. Chacun dit ce qu'il a fait. Où il a mis le village. C'est comme ça qu'on entre dans le village. Tu vas dire. Lui, il dit, lui, il gâte. Il met fibron avant les gens. Et puis, il met fibron. Quand ils font l'amour avec vous, là, leur sperme, c'est ce qui crée fibron. Vous n'avez pas vu fibron? Que j'en ai dans le monde de quelqu'un? Moi, j'ai déjà vu. J'ai un fils qui est gynécologue. Il est chirurgien gynécologue. Il a filmé, il m'a montré, il a eu la nausée, il a vomi. Ça vit comme un bébé. La boule a vie. C'est ce qui suce le sang des gens comme fibron. Ça suce le sang. Et c'est les mêmes symptômes d'une personne qui est enceinte. Ça fait la même chose. Voilà. Donc, c'est ce qu'il éjacule en toi, là. Excusez-moi. Hein. C'est ce qui devient ce monstre-là. C'est un monstre qui met en un monstre. C'est une réalité. Ces maladies-là, elles n'existaient pas. Maintenant, c'est plein comme ça.